Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox, donc sur Treasure Quest. Donc un peu on va dire un héritier de Dungeon Quest, va-t-on dire, parce que globalement c'est un peu le même système de combat. Il y a quelques petits trucs, donc là vous voyez, on peut vendre les choses ici, voilà, on peut acheter. Okay. Vous voyez, on peut acheter des choses. Donc après c'est en fonction de votre niveau, donc là on est au level 1, j'ai pris mon second compte, j'ai découvert ce jeu grâce à mon petit battle, qui est plutôt grave OP. Donc là vous voyez compléter, faut faire un premier donjon, et il faut trouver l'épée de lave. Donc j'ai galéré à la trouver la première fois, je suis passée devant sans la voir. Donc là comme sur Dungeon Quest, vous pouvez upgrade vos armes en fait, les mettre, et grâce à de l'argent les level up. Donc ça l'arme de dé par défaut on peut pas bien évidemment. Donc là, vous pouvez également avoir des effets. Donc ça, je suis pas encore trop au point. Mais voilà, apparemment, c'est avec des Robux. Donc du coup, je vais vous dire, ce sera pas pour tout le monde. Vous voyez, il faut qu'on fasse un premier donjon. Il faut qu'on trouve l'épée de lave. Donc l'épée de lave, elle est dans un trou. Je ne sais plus où, mais attendez. Elle est dans un des trous, c'est clair. Je suis passée devant 15 fois sans la voir. Elle est sous un buisson. Alors attendez, que je me rappelle où c'est. Alors ça c'est pas gagné parce que la Hilo et la mémoire, vous savez que ça fait 10. Battle c'est très marré parce que je suis passée devant le truc 15 000 fois sans le voir. Donc c'était assez drôle pour lui. Pour moi moins parce que je me sentais vraiment idiote, mais pour lui c'était drôle. Alors je sais que c'est là où il y a un buisson. Alors attendez, il faut que je trouve le bon buisson les amis, c'est pas gagné. Je sais que c'est à côté d'une maison. Alors... Alors, hello, 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 say. Ah, là-bas en face, peut-être. Attendez, on va traverser le pont, on va aller voir là-bas. Il y a d'autres maisons, on va essayer de trouver où c'est. Parce que je vous avoue que je m'en souviens quasi pas. Et c'est juste horrible de ne pas avoir de mémoire, les amis. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. On fait avec. Oh, par contre, on est d'une lenteur, c'est juste horrible. On peut même pas courir, c'est un carnage. Ah, ça doit être ça, ouais. Ça doit être sous le gros buisson là. Attendez, c'est ça. Il veut pas y aller. Je suis convaincue que c'est là. Ah, le gars vient d'y aller. Ah, voilà, ça y est. Donc c'est ici que vous avez votre épée de lave. Donc voilà. Donc ensuite, vous ouvrez votre inventaire et vous vous en équipez, bien évidemment. Voilà. Non. Ah, d'accord. Ah, d'accord, faut payer en Robux. Ok. Ah, on peut carrément collectionner, vous voyez. Donc, ça, c'est des choses que j'avais pas vues, du coup. Ok. Bon, bah, écoutez, on va voir. On va faire quelques games et tout, histoire de vous montrer un peu comment ça se passe, etc. Mais vous attendez pas un gameplay de folie de ma part, hein. Vous savez très bien que, voilà, moi je joue pour le plaisir, mais je serai jamais hyper douée dans ce type de jeu. Hop, alors, c'est parti. Donc là, vous avez pareil un daily reward, donc vous avez une récompense quotidienne. Hop, donc on a eu du gold. Bon, écoutez, ça va me servir à que dalle pour le moment, mais on a eu du gold. Donc, hey, on a eu ça, ok. Bah écoutez, on va s'en équiper, hein, c'est toujours mieux que rien du tout. Est-ce qu'on peut vendre notre épée en bois, tenez? Par exemple, je ne me souviens pas. Hop, allez, allez, hello. Oh, je vous jure, c'est trop long, c'est une horreur. Je déteste ça. Quand on n'avance pas, vous savez, c'est horrible. Ah, on peut pas la vendre. Alors, les amis, donc tout simplement pour faire un donjon, vous faites ça, vous pouvez rejoindre des donjons. Donc là, vous voyez, ils sont très haut level. En public, on se met en easy, medium, donc level 5 requis. Donc on va essayer de monter au level 5, écoutez. Créate. Et start game. Allez, on va se le faire tout seul. Écoutez, c'est pas très grave. On va y arriver. On peut mourir. Et en gros, on revient. Donc voilà, c'est pas pour le moment. Il n'y a pas. On n'a pas accès au donjon. Ou voilà. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Bah alors? Ah oui, il faut que j'appuie sur start. Logic, hello! La Hello qui comprend jamais rien à sa vie, vous le savez. Alors, ce qui est cool, c'est que vous voyez, si on a besoin de soins, on marche dessus, on est soigné, par exemple. Donc, c'est plutôt assez sympa.
C'est plutôt bien foutu, disons-nous. Hop. Pour le moment, ils m'ont pas enlevé de PV. Écoutez, on a l'air de gérer un minimum. Alors là, les coffres, il faut les ouvrir, bien évidemment. Hop, on clique, on les ouvre. On a un peu de pièces. C'est pas oufissime, mais c'est plutôt bien. Donc, quand je suis en donjon avec les gars, j'essaie de répartir pour faire en sorte que... What? On l'arrête à main en 2-2, le boss? Je suis un peu choquée, là, les amis, présentement. Je suis en train de me dire que Hello saurait-elle jouer un minimum, des fois? Ah, il y en a un qui est pas venu, Dippo. Eh, ouf, t'es mort. Hop, allez, c'est parti, on continue, les amis. Donc, vous avez vu, voilà, c'est le dungeon de level 1, donc c'est plutôt facile. J'avais l'impression d'avoir plus galéré avec les gars, peut-être parce que... Ah oui, parce que c'est proportionnel, en fait, les amis. En gros, plus on est nombreux, plus la difficulté sera importante. Ce qui est un peu normal, au final. Pourtant, j'ai l'épée de lave et tout. Tu devrais me dire que la mission est complète, là. Au niveau de mes quêtes. Bah, elle me l'a proposé parce qu'il sait que j'aime les jeux où il y a des quêtes et tout. Parce que, bah, je trouve que ça rajoute du challenge, en fait. Au niveau du jeu. Hop, allez, on va tuer ceux qui sont là, qui traînent, là, les orques. Alors c'est parti, il y a un autre boss. Ouais. Il a une épée de malade mental. Hop. Hop, voilà. Alors, la porte, elle s'est pas ouverte. Ah si, là-bas. Alors c'est parti, on y va, on continue les amis. On va voir ce qui se trame. Donc je pense que je vais vous montrer quelques donjons, mais globalement, voilà. C'est juste pour vous faire découvrir le jeu, vous en parler en gros. Parce que c'est vrai que tout le monde ne regarde pas forcément les sorties sur Roblox. Et je trouve que voilà, ce jeu, quand on a aimé Dungeon Quest, je pense que forcément il va vous plaire quoi en gros. Je pense que grosso modo on peut dire ça. Donc on va éliminer d'abord tous ceux qui sont sans le boss et après on ira éliminer le boss. Hop, alors les hippos. Allez, venez là les copains. Donc on est au niveau 5, donc c'est cool, on va pouvoir faire directement l'autre donjon après. Alors vous venez vous? Alors eux ils me font penser à la famille Pierre à Feu là. Hop, il est mort. Il est mort. Hop, alors la porte de sortie est là-bas les amis. Donc c'est parti, on y va. Yeah. Oh pardon, j'ai toujours un peu mal à la gorge. Je vous avoue que c'est pas la folie furieuse. Mais bon écoutez, hein, c'est comme ça hein. On s'en prendra au temps. Qui aura été trop chaud et après froid. Hop. Alors, c'est parti. Là, on affronte Godzilla. Non, je rigole, c'est pas Godzilla. Godzilla, c'est pas un chimpanzé. C'est King Kong, les amis. Hop. Ah, 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 ah. Un petit soin pour la route. Ah, ah. On a besoin de soin, on a besoin de soin, les amis. Le boss nous a fait un petit chouïa plus mal que tout à l'heure. Hop. Alors, c'est parti. On se prend ça, on y retourne. Hop. On est bon. Hop. Alors. Donc il y a encore des petits boss à affronter. Donc les gorillas avec leur fichu banane. Vous allez mourir. Hop. Les hippos également. Hop. Alors on va éliminer les hippos qui sont là. On leur fait assez mal alors qu'en vrai on n'est même pas encore vraiment stuff puisqu'on n'a rien en fait. Et même sur la partie que j'ai fait, que j'ai découvert avec Battle, en fait, j'ai pas rush le jeu, en fait. J'ai juste fait une ou deux games. Il m'a montré ça en fin de live. Mais j'aime bien. Je dis pas que j'y jouerai tous les jours, vous voyez, mais j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Le fait qu'il y ait des quêtes et tout, ça rajoute du challenge. Donc ça, c'est plutôt bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Bon, par contre, comme d'hab. Le truc que je trouve dommage, c'est que c'est répétitif au niveau des donjons, en fait, parce que c'est toujours la même, en fait. Mais bon. Ça, malheureusement, c'est dans les jeux, c'est comme ça. On pourra rien y faire. Hop, alors, il y a encore des gorilles à éliminer, donc c'est parti. Hop. On les rétame en 2-2. La première fois, les amis, à ce moment-là, j'ai flippé comme une grosse mariage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck, où je suis et tout? Ah, 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 j'arrive vers toi. M'agresse pas, j'arrive.
Yeah, on est victorieux, les amis! On a tué le fichu boss! Alors, on va prendre les petits coffres qui traînent, bien évidemment. Hein. Du pognon, c'est du pognon. Hein. On dira pas non, le grand coffre, on peut pas l'ouvrir. Mais ça, on peut les ouvrir. Donc, hop. Oh, plutôt pas mal. 300 pièces, quasi. Moi, je dis que ça se fait, c'est jouable, les amis. Alors, on prend la petite porte et loading. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Que va-t-il se passer pour nous? Alors, play. Alors, on est ici. Non, je veux pas de trade. Hop, merci bien. Alors, on a eu une hache. Un de string. Là, j'en ai 5. Moi, j'ai pas envie d'être en mage. Je vais rester en comme ça. Donc, on va garder notre petite tête d'indien. Et on va arriver au niveau des panneaux des quêtes. Ah, un allemand. Alors, est-ce qu'on peut vendre des trucs qu'on a sur nous et qu'on se sert pas ou pas? Yes! Si, au contraire, yes. Yes. Et ça, par contre, on peut pas le vendre. Alors, au niveau du panneau des quêtes, donc il faut repeat trois times. Il faut qu'on trouve. Ah, il y a d'autres trucs à chercher dans la map. Donc, la West Blade. Dans la ville, ok. Par contre, je comprends pas. Repeat trois times. J'ai pas compris, je vous avoue, les amis. Alors, donc on va se refaire un donjon, mais en mode au-dessus, du coup, en médium. Donc il y a hard après niveau 10, vous voyez, et à chaque fois, bah voilà, il y a des niveaux demandés. Hein. Après, apparemment, on peut changer la map, vous voyez, en fonction de la map choisie, on a plus ou moins. Donc là, on retrouve en gros. Alors, c'est pas ça. C'est où qu'on avait été? Ah, la collection. Au niveau des collections, vous voyez, on retrouve le nom des biomes, hein, bien évidemment. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, nous, on va faire le monde par défaut, hein, écoutez. Et on va se mettre en médium. Parce que, voilà, il faut le niveau 10. Donc, pour avoir le niveau 10, bah, voilà, quoi. Hein. Donc, c'est parti. On va se refaire une fois le donjon, histoire de voir un peu la difficulté augmenter. Et bah, ensuite, et bah, je pense qu'on essaiera de trouver un peu l'histoire. L'histoire de l'épée. Alors, c'est parti! Start. Hello la compagnie. Ouais, la difficulté n'est pas la même. Très clairement, les amis. On a perdu des HP. On va pas se mentir. Ouais, bon. Hop. On régène un petit peu. À mon avis, là, on va avoir besoin du soin un peu plus. Wow, 44 HP, ah ouais. Oh la vache. Il n'y a aucun d'eux qui m'a drop du soin. Ouh. Ouais, on va pas tous les prendre en même temps, vous savez quoi? On va pas essayer de se les aggro tous en même temps parce que j'ai pas envie de mourir. J'aimerais éviter. Si on peut, ça m'arrange. Après, si on n'y arrive pas, bah tant pis, mais ça serait cool de y arriver, quoi. Allez! Allez les copains! Wouh! Allez, on meurt! Wouah! Ils sont tellement ronds! Ils sont tellement PV par. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup trop de PV parce que enfin, j'ai la moitié de leur PV quoi. Enfin, j'ai le double de leur PV du moins. C'est. J'ai 100 HP, ils en ont 51. Enfin, waouh! C'est marrant qu'ils m'aggro pas tous en même temps, je trouve ça assez fou quoi. Bon, tant mieux, ça va m'éviter de mourir, je pense, très clairement. Il m'a pas drop de soins. Bon, écoutez, on va essayer de se. Ah, mais hey, j'arrive même pas à tous ces aggro, les 5! Allez, on va se finir tout cela. Hop, allez, on meurt! Allez, c'est parti! Ouais! Bon, on n'a pas eu de soin, écoutez. Et on a un boss qui nous attend. Avec des orques. Ok. On va essayer de sauter. Et d'aller un peu à droite à gauche, ça va. On va crever. On va crever, c'est clair.
je lui prends pas de la bonne façon. Ah, il est mort. Je suis pas morte. J'ai pas réagi beaucoup de télé par contre, mais je suis pas morte. Alors, c'est horrible. C'est juste horrible. C'est infâme, les amis. Alors. Allez, les gorillas, là. Voilà, je m'en doutais qu'on allait forcément mourir. Ouais, faut vraiment qu'on améliore notre arme parce que franchement, on va pas aller loin comme ça, je vous le dis, c'est impossible. Waouh, je suis en mode what the fuck là. Allez. Hop. Donc c'est parti, on va essayer de s'en sortir, écoutez, hein. Allez, allez. Allez. Oh la vache, les amis. Ils ont quand même des HP, hein. Faut pas déconner, là. Hop, allez, venez, là. Hop. Allez, vas-y. Wow. Allez, allez. Allez. Alors, vous voyez, ils ont beaucoup d'HP. J'en reviens pas. Je suis assez épatée, en vrai, de voir la différence. Ah, nice, on a eu du soin. Bon, allez, on va se finir celle-là. Les boss, ils sont traîtres, mais eux, ça va encore. On arrive un minimum à les buter, quoi. Hop, il y a un autre soin, on va le prendre. Oh, là, on néglige pas le soin. Ouais, il n'y a pas de coffre. Alors, c'est parti, on va aller là-bas. On va essayer de réussir. Oh, d'accord. D'emblée, on a un boss. Ok. Moi, viens. Est-ce que j'aurais dû améliorer mon épée en vrai avant de venir faire le donjon? Je me pose la question parce que là, clairement, on arrive à le tuer. Mais bon, voilà quoi, c'est pas la folie. Vous avez vu nos PV? On prend cher. Alors, tac, on va s'attaquer aux hippos. Ah ouais, entre les 6 PV qu'ils avaient, 10 et tout. Oh ouais. Ah ouais, ah ouais. Deuxième mort, les amis. Oh la vache. J'en reviens pas. Ah ouais, en vrai, c'est chaud. C'est très très chaud, en vrai. Je trouve ça assez hallucinant, la difficulté. La différence. En aussi peu de temps. Ouais, c'est un peu gaspillé le soir, mais bon. Est-ce que je reviendrai en arrière pour venir le chercher? Pas convaincu. Alors, donc on va finir... Ouais, en vrai, il vaut mieux éviter de sauter, rester sur place et les taper à l'infini, en vrai. Vu qu'il n'y a pas de délai de rechargement, on prend moins de dégâts au final. Et comme on fait un peu un dégât de zone... Hop! Allez, allez, allez! Allez! J'ai pas mal de pièces, faut que je m'en serve, hein. Je suis convaincue. Faut que j'arrive à trouver l'épée d'herbe, là. Je sais pas trop quoi, là, leur grâce... Hop! Grâce blade. Du coup... On va essayer d'aggro une partie de la populace. Et pas tout le monde. Ouais, on a groupe 2. J'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus. Histoire de se débarrasser un peu plus vite d'eux. Mais bon, écoutez, ma foi, on n'a pas trop le choix. Hop! Un soin. J'ai pas envie d'aggro le boss tout de suite, en fait. Parce qu'il m'a l'air assez badass. Il me fait limite peur, là, je trouve. Et c'est moi où il fait des bulles? J'ai l'impression qu'il fait des bulles. Ah la vache! Ah oui, d'accord. Oui, en effet, le machin, il a une glace en guise d'épée, quoi. Mais il me calcule même pas, mais what the fuck, mec, je suis passé juste à côté de toi, quasi. Hop. Ah, si on avait un soin. Mais on galère à drop du soin au début, la première donjon, je trouvais qu'on en dropait très vite. Allez, meurs, file-moi du soin en même temps. What? 267 PV! What? Mais what? Il m'arrêtait mais en 2 secondes! Mais what the fuck? Mais mec, t'es sérieux?
Wouah! Ah, le gars, mais punaise, mais c'est ouf, les gens! Vous avez vu? Mais what? Il nous affronte avec des glaces en faisant des bulles. Et des fois, il fait un dégât de zone. Mais c'est quoi ce truc? My god. Bon, je vous ai épargné le petit moment où je tousse, puisque bah, j'ai mute, hein, très clairement. Mais ouais, c'est un peu what the fuck, hein, quand même, là. Il y a des trucs, hein. Je trouve. Bon, on a eu notre troisième mort, du coup. Ah oui, on a encore trois morts possibles, par contre. Ah ouais. Vous avez vu, là-haut? On a aussi qu'un, on en a déjà perdu trois. Ah ouais, faut faire gaffe, quand même. Ah, je sais pas combien de salles il nous reste. Je me souviens pas, j'avais pas compté. J'aurais dû compter, visiblement. Oh là là, on va encore mourir d'ici peu. Ah, je m'en doutais. Ah, punaise, je le sens mal tout ça, les amis, je le sens mal. Alors, Hello, ressuscite. On va finir cela. Oh la vache. Il nous reste plus que deux chances. Waouh. Ils nous ont pas donné de soin. Oh non. Allez, 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 allez. Meurs, meurs, meurs. Oh, il est mort, mais je suis morte en même temps. Oh, je suis deg. Je suis tellement dégoûtée. Par contre, j'ai un soin qui traîne au sol. Je vais le laisser là. Et je vais venir dès que j'aurai du dégât. Parce que clairement, on n'a plus qu'une chance. Non, on va pas y arriver. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Ah ouais, c'est le soin qui traîne par là. Oh, c'est tellement chaud la difficulté, la différence. Je veux bien être une noobie, les amis, mais là, waouh. Ah, d'accord. Donc, en fait, dès qu'on sort du donjon, de la salle, il nous enlève notre drop. Ok. T'es sympa, toi. T'es très sympa. C'est Abelie Bakenfly, là. Tranquille. Ok, bon. J'espère qu'ils vont me drop du soin parce que je crois que là, la dernière salle, c'est le boss. Et en gros, si je meurs, eh ben voilà, c'est fini. Ah, oh, punaise. Ah, oh, je suis deg. Aucun soin. Mais ils sont sérieux. Mais vous êtes des radins. J'ai pas eu le temps de prendre les soins, ils sont sérieux. Shit, les amis, là. Ah, si. Allez, c'est parti. On va affronter le gorille final. Allez, King Kong. Il va vraiment falloir une meilleure épée, hein. Oh là là, je fais rien comme dégâts, c'est affreux. Ah, punaise. Bon, bah voilà, les amis, on a raté. On n'a pas réussi jusqu'à la fin, c'est juste monstrueux. Donc, back to lobby. Donc, je suis désolée, j'ai montré ma d'habitude, comme d'habitude. Mais voilà, on est mort, on assume, je suis morte, et puis c'est toi, quoi. Mais du coup, il faut que je trouve à tout prix l'épée. Donc, je vais essayer de trouver l'épée. Je sais pas où aller, mais on va essayer de la trouver, écoutez. Et je vais fouiller un peu. Et je vous montre dès que je sais où aller. Alors, les amis, je vous ai pas quitté depuis bien longtemps. Regardez, là-bas, sous la cascade, je vois un truc vert. Je pense que l'épée doit être là-bas, écoutez. On va y aller. Yes, c'est ça? Non? Attendez, attendez, attendez. Ah, yeah! Yes! On en a trouvé l'arme, donc on sort de là parce que je sais pas trop si on a une respiration ou quoi, donc on va éviter de mourir bêtement. Donc c'est parti, on va s'équiper de cette arme et on va tout simplement. Ah non, il faut être level 10, je suis level 7. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais refaire un donjon.
Ah, attendez, il y en a qui sont... Ouais, j'hésite. Non, je vais refaire un easy et je vous reprends dès que je suis arrivée au level 10, les copains. Alors, les amis, on se retrouve. Donc, tout simplement, je suis à la fin d'un donjon avec un gars, là. Donc, au final, j'ai laissé quelqu'un rentrer dans la game, histoire de pouvoir m'aider à finir le donjon au moins une fois. Parce que le problème, c'est que si on finit pas le donjon, bah, on n'a pas de récompense, vous vous doutez bien. Donc, du coup, c'est un peu problématique pour avancer dans le jeu. Et bah le gars gère de ouf, il fait des dégâts de malade. Et j'ai l'impression d'être une grosse nulle. Voilà. Grosso modo ma vie. Ah, on vient de mourir. Donc le mec au lieu de m'aider, il s'amuse à récupérer les coffres. Mais enfin le gars en fait il se la joue pas en mode sympa parce qu'au final bah il prend tous les coffres depuis tout à l'heure. Et alors que enfin voilà quoi, il est bien OP sur le jeu par rapport à moi. Et bon écoutez, c'est comme ça malheureusement quand on joue avec des gens, c'est souvent comme ça. Hop! C'est chacun pense à sa tronche, personne pense à partager et c'est un peu dommage. Donc voilà, pour une fois, on a fini le donjon. Bah merci mec. Donc du coup là, Defeat Repair 3 times, donc en fait il faut perdre 3 fois, moi c'est ce que j'en comprends. Là, il faut utiliser l'ability 25 fois en combat. Et qu'est-ce qui se passe là? Ah, il faut traverser la porte. C'est ça? Bah oui, hello, logique. Bon, bah en tout cas, le gars sympa. Je suis montée au niveau 10. Je suis plutôt contente grâce à lui. C'est plutôt cool. Donc, on va pouvoir s'équiper de notre nouvelle arme. Essayer d'aller l'améliorer pour voir un peu ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on a eu quelque chose du coup? Ah. Mais pourquoi? J'ai que du gold à chaque fois. Ah, attendez, attendez, attendez. Donc, ça, là, mon truc, il fait quoi, lui? Ah, en vrai, lui, il est mieux. Du coup, on va s'équiper de lui. Alors, on va tout simplement aller... tac, 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 tac. Ouais, c'est là-bas. C'est bien cela, les amis. Et là, ils sont déjà pas mal OP sur le jeu. Enfin, j'en reviens pas. Les gens tryhardent comme des gros malades. Moi qui ne tryharde pas sur les jeux, c'est très, très perturbant, va-t-on dire. Hop. Alors, c'est parti. Donc, je vais vendre celle-là. Yes, et je vais vendre ça. Yes. Alors, et là, il faut que tout simplement on continue. Donc, il faut encore que je perde une fois et il faut utiliser l'ability. Donc, on va falloir qu'on comprenne tout, les amis, parce que voilà, quoi, on commence à... Ah, max upgrade, du coup, on peut pas l'upgrade. Ah, par contre, ça, je peux. Ah ouais, ça coûte masse pognon. Je comprends mieux pourquoi le mec tryhardait... L'argent. Ah ouais, par contre, ça me rapporte pas beaucoup d'HP en plus, c'est ouf. Par rapport à l'argent dépensé. Bon, bah écoutez, on va se tenter un donjon. Cancel, je veux pas de train, merci bien. Ancienne... Ah ouais, il fait ça. Moi, j'aimerais bien tester celui-là en easy. Bon, écoutez, personne ne rejoint, donc on va y aller tout seul. Ah, attendez, on s'est pas équipé de la bonne arme. Logique, hello! Ah, vous savez, le hello fail, le saint hello fail. Assez monumental. Bien souvent. Équipe, s'il vous plaît. Yes! Alors, c'est parti. Alors, dans un biome coral. Oh, c'est. Ça change direct d'atmosphère. C'est plutôt kiffant. Ah, on n'affronte pas les mêmes mobs. Ah, ouais, c'est marrant ça. Ah ouais, on fait beaucoup plus de dégâts les gens! Ah ouais, c'est trop cool! Ah, je suis ravie. On fait beaucoup plus de dégâts. C'est sympa. Bon, je peux pas améliorer l'arme, c'est ça qui est dommage. Mais il faut voir quand je vais en gagner une, écoutez. On va essayer au bout de ce donjon, écoutez. Oh, c'est sympa! Sympa bonheur! Trop cool! Et on a pas mal de soins de drop et tout. Ah, je suis contente. C'est plutôt cool. Hop! Ah ouais, ah ouais. Là, les gens, on commence à s'éclater. Là, on commence à avoir du dégât. Là, on peut fight avec ça. Hop. Parce que là, j'avais l'impression de vraiment subir les games, là, vous voyez. Hop. Ah, c'est plutôt satisfaisant. Alors, qu'est-ce qui se passe après derrière? Qui est-ce qu'on va affronter? Hop, faut grimpouiller là-haut. Ah, mais grimpe, bon sang de bonsoir. Salut les squelettes, pirates! Hop! Et je vais avoir une voix archi dégueulasse. J'ai hâte que la maladie parte, vous voyez là.
Des requins, non mais. Ce jeu. Ah, je le trouve drôle, ce jeu. Je le trouve drôle. Alors, il y a quand des squelettons, on va aller les buter. Allez, venez là, les copains. Les copains, je ne vous oublierai jamais. Alors. Ah, il y a un petit boss là. Eh bien là, petit salopio! Mais pourquoi il m'envoie valser dans les airs? Mais crève, bon sang! Par contre, je veux bien du soin, moi. S'il vous plaît. Yeah, il y a du soin en bas aussi. Ça, on prend, on prend, on prend. Alors, il y a une porte qui s'est ouverte. Donc, c'est là en face. Nickel. Donc, on y va. Et c'est plutôt bon, ça. C'est si bon comme ça. Bon, non, faut que j'arrête de chanter. En plus, j'ai pas la voix pour. Et en plus, c'est encore pire, je suis malade. Donc, voilà. Une voix de casserole en étant malade, je pense pas qu'elle s'améliore, vous voyez. Je pense pas. Hop! Allez, coco! Alors, c'est parti. Hop! Bon, on va mourir, c'est sûr, à un moment donné, parce que, bah, on n'a pas beaucoup d'HP, parce qu'on n'a pas beaucoup de résistance. J'espère qu'on peut avoir du meilleur stuff ensuite. Ce serait sympa. Ah, voilà! C'était excouru d'avance qu'on allait avoir une mort, les amis, mais c'est pas grave. On le vit bien, on le vit bien, on le vit bien. On le vit bien. Alors, tac, 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 tac. On va aller finir d'affronter ce petit mob qui nous a cassé les pieds. Je vais à l'envers, c'est ça? Ouais, ça doit être ça le délire. La Hello va toujours à l'envers dans les trucs, je cherchais pas à comprendre. C'est inné, je pense, chez moi. De me foirer. Tac. Hop. Allez, on se prend de l'oseille. Hop. Allez. Voilà, on l'a tué, c'est bon. Ah si, il y a du soin, nickel. C'est pas la folie furieuse, mais c'est déjà ça. Donc là, des manglers. Ouais, un truc inexistant quoi. En gros, c'est des aliens hein, ce machin-là. Alors, ça c'est fait. On s'est soigné un chouïa. Ah, il y a eux. Allez, c'est parti. Salut! Les soldats de la mer. On se prend ça. Ouais, alors on fait plus de dégâts. C'est plus sympa quand même. Bon, j'ai quand même une mort. Mais bon, ça, de toute manière, Hello qui ne meurt pas dans un jeu, ça ne serait pas Hello, j'ai envie de vous dire. À part dans MC, où je suis quand même un meilleur, je pense. Mais sinon, problématique. Alors, ça. Ah, encore des squelettons. Allez, c'est parti. Ah, on a monté au level 11. En vrai, on grimpe assez vite dans ce jeu, je trouve. Alors, c'est parti. Autre salle. Salut! Au revoir, vous êtes tous morts. Alors, encore des squelettes. Il n'y a que ça ou ça se passe comment là? Alors, des six. Les chevaliers de la mer. Allez, venez là avec vos petits tridents là. En mode je suis Poséidon. Mais maman, elle le sait? Non, je rigole. Faut que j'arrête avec les blagues vaseuses. Enfin, blague de mauvais goût, va-t-on dire, hein, clairement. Mais, je sais pas, j'aime bien. Jusqu'à maintenant, vous en avez jamais plein. Je me dis que ça passe. Alors, le Reaper, lui, il me saoule parce qu'il m'envoie valser dans les airs. Et je déteste ça dans les jeux, quand un machin t'envoie valser dans les airs. Alors que t'as rien demandé à personne! Merde! Yeah! Il est mort. Ah, d'accord. C'est une pieuvre, notre ennemi. Enfin, un squid, du coup, c'est pas une pieuvre, c'est un poulpe. Alors. Ah ouais, 2200 PV, il est déter le truc. Ah ouais. Ah, mais ça va, on lui met cher en vrai. Ah, c'est plutôt cool, les gens, regardez. On va finir par l'avoir. Non, je l'ai eu! Oh les gens, je l'ai eu! Oh, je suis ravie! Et ma voix qui part! Ma voix qui part dans tous les sens! Oh, mais on l'a eu! Oh, c'est trop cool! Ah, oh, je suis contente! Je suis contente, on a réussi! Hop!
Alors, l'ability 25 fois en combat. Alors ça, par contre, j'ai pas compris, les amis, pour cette quête. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu comment c'était les donjons, etc. Et ces choses faites. Donc vous voyez, il y a quand même de la difficulté et du challenge. Parce que voilà, il faut quand même avoir un stuff suffisant pour pouvoir survivre. Donc là, on va quand même regarder un peu ce qu'on a eu. Donc là, clairement, ils m'ont donné ça. C'est du magique, j'en veux pas. Et ça qui me fait du... Ah ouais. Ah non, mais là, m'en fait 40. Ouais, je préfère garder celle-là et celle-là, on va la vendre, écoutez. Mais c'est dommage, on n'a pas eu des loots super intéressants. Je suis un peu déçue, on va pas se mentir. Donc, on vend ça, yes. Ça nous fait de l'oseille pour pouvoir améliorer notre casque. Donc, on va aller améliorer le casque. Et puis, bon, on va se quitter ici, je pense, parce que clairement, bah voilà. Hein. On a découvert un peu le jeu ensemble. Et moi, j'ai découvert plus de choses qui me donnent envie vraiment de poursuivre ce jeu. Donc voilà, on gagne un peu d'HP au fur et à mesure où on upgrade ce truc, donc c'est pas fou, mais bon voilà, ça va être suffisant. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les amis, à la prochaine, bye bye.